Bah, Thiévy l'a dit, on a deux espèces du Mali, mais on ne va pas en avoir trop non plus. D'accord ? Sur le terrain, on va se donner un fond. Et je pense que sur papier, l'équipe du Mali a une très très belle équipe. Et je pense que nous, on a aussi une très belle équipe. On a des mecs qui en veulent beaucoup. Et je pense que c'est l'équipe qui jouera avec le plus de cœur, qui jouera avec le plus d'envie, qui gagnera ce match. Et donc c'est ce que j'ai envie d'inculquer à mes joueurs. Et j'espère que demain, on va montrer un grand jeu et on va le faire tous ensemble. Et si on joue vraiment déterminé, je pense qu'on peut repartir d'ici avec un très bon résultat. Sur papier, vous avez des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Donc déjà, c'est un atout énorme. Nous, on n'a pas cette chance. On a des joueurs qui jouent en Europe, pas dans des aussi grands clubs que vos joueurs. Donc c'est un avantage. Mais bon, voilà. Je vous dis, dans le football, c'est pas seulement le club qu'on joue, c'est pas seulement le salaire qu'on gagne, c'est pas seulement le talent. Le football, c'est beaucoup plus que ça. C'est le cœur, c'est l'envie, c'est la rage, c'est faire les efforts, c'est courir, c'est faire des sacrifices. Et demain, l'équipe qui fera le plus de sacrifices, qui courra le plus, qui se donnera le plus, qui gagnera le match. Aujourd'hui, on peut jouer n'importe quelle équipe, on peut gagner, on peut perdre. Donc voilà, je pense que demain, moi, j'ai envie que mes joueurs, ils jouent avec un cœur énorme, qu'ils jouent pour le peuple congolais. Et voilà, j'espère qu'on va ramener quelque chose en jouant pour le peuple congolais. De faire un résultat, en tout cas, demain contre le Mali. Oui, 15, c'est vrai que ça remonte, mais il faut du temps pour créer un nouveau groupe, une nouvelle cohésion. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le groupe est prêt. Moi, en tant que leader, j'ai pu voir ça. C'était quelques petits détails à régler. Le coach est là, donc tactiquement, il nous a réglé. Et puis, c'est un nouveau départ. Et nous avons tout fait, bien sûr, c'est le football, il y a un gagnant et un perdant, mais nous avons tout fait, nous sommes prêts pour pouvoir participer à cette nouvelle CAN en Côte d'Ivoire. Probablement avec beaucoup de respect, j'ai quelques joueurs de l'équipe du Mali que je connais, comme votre capitaine aussi à Marie, Traoré. Vous avez une très bonne génération, c'est un groupe de qualité. Donc tous mes respects, comme mes coéquipiers aussi, et vous êtes des frères, le Mali c'est un pays voisin, on respecte beaucoup. Donc d'abord, un grand respect pour cette équipe-là. Et sur le papier, ils sont meilleurs que nous, on ne va pas mentir, mais le football ça se joue à 11. Donc nous sommes des hommes et nous sommes là pour obtenir aussi quelque chose, pas pour faire juste acte de présence.